Bene, come dicevamo ieri, siamo qui appunto per introdurre Ivan Detraz, fondatore e direttore del collettivo francese Bruit de Frigo, originale di Bordeaux. E loro hanno un'esperienza incredibile in quanto a partecipazione e rapporto con i cittadini nella pianificazione urbana. Inoltre, anche nella valorizzazione dei luoghi, quindi vedremo attraverso le loro azioni come si sono rapportati a dei luoghi a cui nessuno prima avrebbe dato un valore così fondamentale. Diciamo che hanno dato la possibilità a moltissime persone di riscoprire Talk off to the dei light. luoghi della loro città e della loro regione che Oh, la mia. non avevano nessuna visibilità, e quindi si tratta di dare anche una nuova impronta a dei luoghi che prima non avevano nessun impatto sulla vita dei cittadini. Vabbè, adesso lascio la parola a lui che insomma vi dirà meglio di cosa stiamo parlando. On va essayer de d'éteindre les lumières Cerchiamo pour di voir spegnere le mieux. luci così vediamo meglio le diapositive. Bienvenue. Je suis Ivan Detraz. Je suis architecte et directeur et membre fondateur du collectif Bruit du Frigo, qui est basé à Bordeaux en France. Buongiorno, mi chiamo Ivan Detraz e sono un architetto e fondatore del collettivo Bruit de Frigo che ha sede a Bordeaux. Alors, je suis désolé, l'image n'est pas terrible, donc j'espère qu'on va quand même voir les projets. Bordeaux, c'est là. Bordeaux è lì. Non, je le précise parce que parfois les gens pensent que c'est que du vin, mais c'est aussi une ville. Voilà. Et c'est dans le sud-ouest de la France. Mais je sais que vous, ici, vous connaissez. L'ho preciso perché spesso le persone pensano soltanto Bordeaux uguale vino, invece è una città e si trova in quel punto lì della Francia. Alors en fait, je vais vous parler de différents projets qu'on développe. Je commence juste par vous montrer quelques photos, enfin une photo de l'équipe et des photos de l'endroit où on travaille. Donc là, on a une partie de l'équipe. On est actuellement. Vi presenterò oggi alcuni dei progetti che abbiamo realizzato, vi faccio vedere intanto delle foto dell'equipe, del nostro team e del luogo dove lavoriamo. Actuellement, on est 6 personnes, 2 architectes, 2 artistes, une personne qui est plutôt travailleur social et une administratrice. Al momento nel nostro team siamo in sei, ci sono due architetti, due artisti, una persona che lavora più nel sociale e una persona amministrativa. Parfois, on peut être beaucoup plus nombreux selon les projets. On fait appel à des gens extérieurs qui collaborent régulièrement avec nous. Ça peut être d'autres artistes, des constructeurs également, ou d'autres architectes. E per dei progetti più grandi collaboriamo anche con collaboratori esterni che possono essere artisti, architetti, costruttori. Voilà, et à Bordeaux, en fait, on a créé il y a une dizaine d'années. En fait, juste pour préciser, Bruit du Frigo, ça existe depuis 1995, donc ça fait presque 20 ans. Il y a environ 10 ans, on a créé à Bordeaux un lieu de fabrique artistique et culturelle qui réunit aujourd'hui une centaine de personnes et environ 20 structures culturelles et artistiques.
Brio du Frigo è stato fondato nel 1995 e da 10 anni abbiamo creato un luogo che rappresenta una sorta di fabbrica artistica e culturale. E, in questo luogo collaborano 100 persone e abbiamo anche altri 20 sedi nelle quali lavoriamo tutti insieme. Donc là, on a des photos de notre lieu. On a 2500 mètres carrés avec des espaces de travail, des espaces d'exposition, des bureaux, des ateliers pour les artistes et également des espaces de production pour fabriquer des objets, des œuvres ou des installations. Questa è la sede dove lavoriamo, sono 2500 metri quadrati e abbiamo diversi spazi di lavoro, spazi per delle mostre, per i laboratori artistici, spazi per la produzione nei quali vengono prodotti oggetti, installazioni. Je vais maintenant vous montrer un certain nombre de projets qu'on développe. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu la nature de notre activité. On développe à peu près, enfin, grosso modo, deux types de projets. Le premier, c'est des projets qui sont plus des démarches participatives liées à des projets urbains, où l'objectif, c'est d'impliquer les habitants dans une dynamique collective aux côtés des élus, aux côtés des techniciens, aux côtés des architectes. Et l'autre partie de notre activité, ce sont plus des projets artistiques qui concernent davantage la question de comment on se réapproprie les espaces publics et comment on continue d'être inventif sur la manière de vivre et de pratiquer la ville. Vi mostro alcuni dei nostri progetti che si possono dividere in due tipi. Il primo tipo di progetti sono più dei progetti partecipativi, quindi l'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini a partecipare appunto alla realizzazione di questi progetti accanto agli esperti, ai tecnici, agli architetti. Invece il secondo tipo di progetto riguarda dei progetti più artistici che riguardano più la appropriazione dello spazio urbano da parte dei cittadini. Ah, je vais commencer par vous montrer quelques projets donc sur des processus participatifs. Quand on a démarré, on était il y a 20 ans un peu tout seul à se poser ces questions-là, notamment quand on était à l'école étudiant à l'école d'architecture. C'est des questions qui n'intéressaient pas beaucoup de monde, qui n'intéressaient pas la profession des architectes, notamment. Et évidemment, aujourd'hui, la situation a beaucoup changé. De plus en plus de pays en Europe, en particulier en France, cherchent à développer des démarches de coproduction de la ville, où on essaie de laisser une place importante aux habitants. Quindi vi parlerò innanzitutto dei progetti partecipativi. Quando abbiamo iniziato 20 anni fa, diciamo che siamo stati i primi, eravamo i primi e gli unici a porci questo problema di partecipazione dei cittadini. E abbiamo iniziato a porci questo problema nell'ambito dei nostri studi. E si trattava di un problema che non era ancora all'ordine del giorno, quindi gli architetti non si ponevano ancora questo problema. Ora invece la situazione è molto diversa e soprattutto in Francia ci si muove verso la partecipazione, la coproduzione della città appunto attraverso questa partecipazione delle persone. Généralement, les processus, enfin les démarches participatives qu'on observe, la plupart du temps, ce sont des réunions publiques, ce qu'on appelle des réunions publiques, qui sont un peu sur ce format-là, c'est-à-dire qu'on a une table avec des élus, des architectes, des techniciens qui ont bien travaillé leur sujet et qui présentent leurs projets à une assemblée d'habitants qui n'ont pas été préparés, qui n'ont pas vu à l'avance les présentations, donc qui n'ont pas pu essayer de comprendre pour poser des bonnes questions. Et nous, on fait le constat que ces formats de participation, de concertation, sont absolument stériles.
On essaie, nous, de développer d'autres manières de travailler beaucoup plus actives, beaucoup plus dynamiques et qui misent sur la capacité et l'imaginaire des habitants. La capacité à travailler collectivement et l'imaginaire des habitants. Diciamo che nella maggior parte dei casi questa forma di partecipazione pubblica si realizza attraverso delle riunioni aperte al pubblico dove ci sono queste tavole di esperti, di architetti che presentano dei progetti ai cittadini che non conoscono ancora questi progetti e che quindi hanno la possibilità di porre delle domande. Noi invece abbiamo cercato di fare qualcosa di più diverso, di creare un qualcosa di più dinamico, perché secondo noi questa forma di partecipazione è abbastanza sterile e quindi cerchiamo di sviluppare una forma di partecipazione dinamica in cui le persone possono esprimere quella che è la loro immaginazione, la loro creatività. Nous, la manière dont on envisage les processus participatifs consiste à venir travailler sur le terrain, aux côtés des gens, pour construire avec eux une véritable démarche collective dans laquelle chacun, en tant qu'habitant ou en tant qu'association, peut jouer un rôle actif. Il nostro modo di vedere questa partecipazione dei cittadini è lavorando sul campo, proprio con le persone, per creare questa partecipazione collettiva in cui le persone possono esprimere appunto quella che è la loro creatività e il loro modo di vivere la città. Maintenant, je vais vous présenter quelques projets. Donc là, on est sur une commune qui s'appelle Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux. La mairie de Mérignac nous a appelés pour nous demander de réfléchir à une action qui impliquerait les habitants d'un quartier autour de la définition d'un futur équipement public qui va comprendre un centre social, qui va comprendre une bibliothèque de quartier et d'autres services. Sur un terrain vague, au cœur du quartier. La question qui nous est posée, c'est inventer une manière d'impliquer les gens pour que dès aujourd'hui, il se passe des choses sur ce terrain, que le terrain soit occupé, que les habitants soient mis à contribution dans une action collective, dans une dynamique, pour réfléchir et préparer l'arrivée du futur équipement public. Questa immagine che vi faccio vedere riguarda un progetto che abbiamo realizzato a Mérignac, nella periferia di Bordeaux. Siamo stati contattati dal comune per cercare delle maniere, dei modi attraverso i quali impegnare i cittadini nella costruzione, nella partecipazione di uno spazio comune, di spazi comuni come biblioteche ed altri luoghi di aggregazione su un terreno incolto, quindi un terreno non utilizzato. E quindi dovevamo trovare appunto una maniera possibile per realizzare questo obiettivo. La première question, généralement, c'est comment on mobilise les habitants, comment on s'adresse à eux. Et par rapport à cette question-là, on essaie toujours de trouver des stratégies et des tactiques qui permettent de rendre la participation ludique, accessible à tous, et dans laquelle les gens vont prendre du plaisir. Par exemple, ici, on a imaginé d'informer les habitants et leur proposer de participer à ce projet-là par le biais d'un casting où en fait l'idée c'était de recruter des bricoleurs pour fabriquer un premier espace commun dans lequel on allait ensuite travailler. La prima domanda che ci siamo posti era quindi come mobilitare tutti i cittadini e abbiamo cercato delle pratiche, delle tattiche per rendere la partecipazione accessibile a tutti e far sì che i cittadini potessero trovare anche piacere in questa partecipazione. E quindi come abbiamo agito? Abbiamo fatto una sorta di casting e l'idea era quella di reclutare delle persone in grado di fare del bricolage. Voilà, donc comme un vrai casting, il y a
une équipe de personnes qui auditionne des gens qui s'inscrivent volontairement pour montrer leur talent de bricoleur, mais surtout, c'est des moments où, ça, qui nous permettent de rencontrer des gens et de discuter avec eux, de commencer à discuter avec eux de là où ils habitent, leur quartier, etc. etc. Quindi abbiamo fatto una sorta di audizioni, abbiamo visto quello che erano in grado di fare queste persone e abbiamo anche dato loro la possibilità di esprimere la loro opinione, la loro idea sul loro quartiere, sulla loro città. Et l'objectif là précisément c'était de réunir 40 personnes pendant deux jours pour construire le premier espace commun qui allait nous servir pendant un an pour travailler avec eux. Quindi l'obiettivo era quello di prendere 40 persone, impiegare 40 persone in due giorni che potessero poi lavorare su un progetto. Un progetto che avrebbe poi sarebbe continuato un anno. Donc là, il y a quelques photos du chantier qui a duré deux jours, donc avec ces personnes-là. Ouais, mais je sais pas si je peux en fait. Ah si, je sais. Excusez-moi. Donc là, il y a des gens de notre équipe et aussi les habitants qui fabriquent à nos côtés. Quindi queste sono le persone che fanno parte del team più gli abitanti che appunto costruiscono insieme. Donc là, on voit le terrain qui fait à peu près 200 mètres sur 200 mètres au milieu du quartier. E questo è il terreno che ha circa 200 metri per 200 e si trova insomma al centro del quartiere. Voilà. Après, ce lieu a été utilisé par des associations du quartier qui l'ont utilisé comme un espace pour organiser leurs propres activités. Et puis nous, on l'a utilisé après pour développer tout le projet pendant un an, enfin deux ans même. Et questo spazio è stato utilizzato dalle persone per fare, insomma, per riunirsi ed è stato utilizzato da noi per realizzare i progetti nel corso dell'anno e in realtà di due anni. On a organisé ensuite un deuxième casting pour recruter cette fois-ci des utopistes et pour proposer donc à des gens de réfléchir à un aménagement éphémère pendant la transition entre le moment où on occupe le terrain et le moment où le projet d'équipement public va être construit. Donc ça dure deux ans. Pendant ces deux ans-là, l'idée c'est d'aménager ce terrain vague pour permettre des usages et permettre une première pratique collective du quartier sur ce terrain. Abbiamo fatto poi un altro casting per reclutare degli utopisti, diciamo, quindi delle persone che avrebbero dovuto pensare a dei modi di utilizzo, di gestione di questo terreno durante tutto il periodo nel quale avevamo intenzione di portare avanti questo progetto. Donc là, c'est un deuxième casting pour un workshop qui dure deux jours encore, un week-end, et où les gens dorment sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils habitent à quelques mètres, mais on leur demande, enfin, la règle, c'est de passer 48 heures ensemble. Si è trattato quindi di un casting che è durato due giorni e le persone, anche se abitavano lì, insomma nel quartiere, sono rimaste a dormire in queste tende proprio per vivere la zona, il terreno. Donc on mange ensemble, on dort ensemble, on réfléchit, on travaille ensemble, on s'amuse aussi, donc on prévoit le soir des concerts par exemple. E quindi per permettere alle persone di vivere insieme queste 48 ore, quindi si mangiava insieme, si cantava, si facevano attività insieme. Voilà, et ensuite on commence aussi à travailler directement sur le terrain, à commencer à construire des premières choses. E poi abbiamo iniziato a lavorare insieme e a costruire le prime cose. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer des images du résultat, donc
ce workshop a permis de déterminer un projet qu'on a réalisé ensuite et qui est resté pendant 2 étés, 2 ans. Questo workshop, quindi di 2 giorni, ci ha permesso di creare qualcosa che poi è rimasto lì per 2 anni, per 2 estati. Donc un aménagement pour le quartier, ouvert, libre, gratuit, qui aujourd'hui n'existe plus parce que maintenant il y a le projet d'équipement public qui est construit à la place de ça, mais qui dans son aménagement a intégré certains éléments de programme qu'on avait travaillé de manière temporaire. E quindi questa è una gestione diciamo all'aperto del territorio che è durata 2 estati e che ora non c'è più perché è iniziato tutto il lavoro di realizzazione di edifici urbani, però diciamo che alcune delle cose che erano state realizzate grazie a questo progetto temporaneo sono state recuperate. Voilà quelques photos pour finir. Altre photos. Voilà, donc l'aménagement, on voit bien, enfin on voit mieux le quartier, on voit pas grand-chose, hein, je suis désolé, il y a trop de lumière, mais voilà, donc on a là le projet pendant la phase de chantier. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui a été utilisé donc pendant 2 ans. Il y a eu des fêtes improvisées, il y a des gens qui ont fêté même leur mariage. Notamment, il y a une grande table qui fait 10 mètres de long, des anniversaires, voilà. Donc, il y a eu tout un tas d'utilisations et d'occupations assez improbables de cet espace et qui a fonctionné comme l'espace public, le cœur vivant du quartier. Qui vedete tutta la zona del cantiere e lo spazio è stato utilizzato per qualsiasi tipo di occasione, diciamo, anche per dei matrimoni, per dei compleanni, quindi è stato sfruttato appieno. Ok, là on est sur un autre projet qui est un peu similaire, on est dans le sud-ouest, dans les Landes, le sud-ouest de la France, dans une ville qui s'appelle Dax. Et là, on est sur un quartier d'habitat social, assez ancien, assez dégradé, où la commune nous demande de réfléchir avec les habitants à reprogrammer les espaces publics pour les transformer et les améliorer. Questo è un altro progetto che abbiamo realizzato nel sud-ovest, in una città che si chiama Dax. E la zona, il quartiere era abbastanza abbandonato, degradato e quindi il comune ci aveva chiesto di far qualcosa per ridare vita a questa zona. Encore une fois, on construit tout seul, on n'implique pas les habitants, mais on travaille, vous allez le voir, souvent à partir de dispositifs éphémères construits qui nous permettent d'une part d'être l'outil dans lequel on va travailler avec les gens et qui sont aussi le meilleur moyen de communiquer et de mobiliser sur les projets. Utilizziamo sempre questi dispositivi temporanei che ci permettono di lavorare con le persone, di meglio comunicare con le persone. Quand on reste comme ça dans un quartier pendant 3 semaines, par exemple, avec une semaine de chantier, cette semaine de chantier, on n'a pas besoin de faire de communication avant pour dire qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire. Quand on fait ça, on a tout le quartier qui vient et qui s'interroge. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Et c'est le meilleur moyen de communiquer sur ce qui va se passer par la suite. Quando facciamo cose di questo tipo e rimaniamo quindi in un luogo per più di una settimana, questo diciamo che è il miglior modo per coinvolgere le persone, perché non c'è bisogno di comunicazione. Una volta che iniziamo a costruire cose di questo tipo, le persone per la curiosità si avvicinano, vengono da noi. Donc là on est en hiver, il fait un peu froid. Donc on décide de faire un espace fermé avec un poêle à bois au milieu pour se chauffer. Et ça va fonctionner pendant une semaine. Et pendant une semaine, il va se passer plein de choses. Donc comme sur le projet précédent, des moments de travail, à la fois formels avec des rendez-vous et surtout informels, de rencontres comme ça au hasard, des discussions, de gens, des curieux qui viennent poser des questions.
des moments de détente et de convivialité et des moments plus festifs, culturels. Era inverno, quindi abbiamo creato questa struttura chiusa con un camino e abbiamo creato delle situazioni più formali di lavoro, situazioni più informali, momenti di discussioni, di stare insieme. L'objectif de ce type de démarche, c'est de répondre à la commande de la mairie, évidemment, mais aussi de susciter l'envie dans un quartier pour les habitants, pour les associations, de créer des projets ensemble, de créer des dynamiques collectives. Par exemple, dans ce quartier, il n'y a pas d'association, il n'y a aucune association d'habitants. Il y en avait une qui existait depuis 10 ans, enfin qui existait 10 ans auparavant, qui était éteinte. Le fait d'avoir fait ce projet-là, cette action-là, ça a permis à des gens de se dire, mais en fait, ce qui nous manque dans ce quartier, c'est aussi ce type de projet, ce type d'animation, ce type de moment collectif. Et suite à ce travail-là, elles ont créé une association et aujourd'hui, elles organisent régulièrement des fêtes, tout un tas d'événements collectifs dans le quartier. Ça leur a permis de se dire, finalement, c'est pas si compliqué et on est capable de le faire. Quindi diciamo che il motivo per cui abbiamo realizzato questo progetto non era soltanto per venire incontro alla richiesta del comune, ma anche per sviluppare nelle persone questa voglia di stare insieme, perché nel quartiere mancavano associazioni collettive. Ve n'era stata una qualche tempo prima, però ormai non organizzava più nulla. E quindi tutto ciò ci ha permesso di dire alle persone che era possibile organizzare momenti di aggregazione. Infatti poi è stata creata un'associazione del quartiere che organizza ora attività, eventi, e quindi è servito appunto a questo. Là on voit ce monsieur, c'est l'urbaniste qui travaille avec nous, enfin qui est missionné par la ville à nos côtés pour faire le projet de réaménagement du quartier. En fait, il vient travailler directement avec nous. C'est-à-dire que habituellement, ce qui se passe, c'est que nous, on, avec tout ce que les gens nous racontent, on organise un document qu'on lui donne, et à partir de ça, il va faire son projet. Là, il vient travailler directement avec nous. Il est présent sur le quartier tous les jours, et il discute en direct avec les habitants, et finalement, il vient puiser toutes les informations dont il a besoin pour faire son projet à la source. Et non seulement il les capte sur place, mais en plus, ça lui permet de les confronter en direct avec les habitants, ces idées. Questo qui è un urbanista che era stato mandato, diciamo, dal comune per lavorare con noi e per occuparsi di questo progetto. E è stata una cosa diversa dal solito, perché in questo caso l'urbanista ha iniziato a lavorare con noi e con le persone, quindi in stretto contatto con noi, e riceveva tutte le informazioni piuttosto che da dei documenti più formali direttamente dalla fonte, quindi dalle persone. Et le soir, la particularité sur ce projet-là, c'est qu'on a organisé en soirée des concours de soupe, parce qu'on est en hiver, évidemment, on fait des soupes, et on proposait à 5 personnes, chaque soir, pendant une semaine, de confectionner une soupe et de l'amener pour la faire déguster et concourir. Il y avait des lots à gagner, on pouvait gagner des spectacles, des places pour aller voir le match de rugby, etc., etc. Et donc on avait chaque soir un concours de soupe. Donc c'est aussi ce qui permet aux gens de s'approprier facilement ce type de dispositif, et finalement chacun peut y trouver son compte. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent pour travailler parce qu'ils ont des idées et que le sujet les intéresse. Il y en a qui se sentent pas forcément capables, et pour autant on essaie de leur trouver une place aussi dans ces projets-là. Et donc notamment la cuisine est un vecteur très efficace
pour créer de l'émulation collective. E poi la sera abbiamo organizzato diversi eventi come questa gara di preparazione di zuppe, perché appunto era inverno e quindi bisognava in qualche modo scaldarsi, e quindi ogni sera c'erano 5 persone che gareggiavano, che preparavano queste zuppe e le distribuivano alle persone, e poi veniva scelto un vincitore che poteva vincere diverse cose come il biglietto per una partita di rugby, per un concerto, eccetera. Quindi questo ha permesso anche a coloro che non potevano lavorare concretamente a questo dispositivo, comunque di appropriarsi del dispositivo stesso e del territorio attraverso un qualcosa che comunque aggrega e unisce le persone, come appunto cucinare. Donc ça c'est un projet qui est toujours en cours. Le résultat de ce travail-là, ça a été de faire comme un plan, un master plan, des aménagements possibles sur tout le quartier, sur plusieurs années. La suite, c'est de revenir pour travailler avec les habitants sur la construction collective, participative de ces aménagements. C'est du mobilier, c'est des jeux pour les enfants, c'est du jardin. C'est reconstruire aussi une cabane durable, permanente, pour que les gens du quartier, les associations puissent organiser des fêtes. Questo progetto è ancora in corso, e l'obiettivo è quello di creare una sorta di master plan, e quindi un piano d'azione per la gestione del quartiere. Quindi anche attraverso la realizzazione di altre strutture, parchi giochi per bambini, strutture insomma, ed anche un rifugio come quello lì che abbiamo fatto noi, che però possa restare per sempre, quindi possa essere permanente. Alors là on est ailleurs, on est dans un petit village de 1000 habitants dans les Deux-Sèvres, qui est une région entre Bordeaux et Nantes, à l'ouest. La question qui nous est posée, c'est un peu la même. C'est un village qui se pose la question de la rénovation de son cœur de village, du bourg, du centre-bourg. Et on nous demande de venir travailler en amont du projet avec les habitants pour récolter leurs besoins, leurs envies, leurs désirs. Et la manière dont on intervient sur ce projet-là, c'est de proposer aux gens de faire le portrait de famille du village, parce que bon, il y a 1000 habitants, c'est pas beaucoup. On peut se permettre d'essayer de réunir tout le monde, et on propose aux gens de venir poser sur une photo, enfin sur plusieurs photos, voilà, dans une posture où ils viennent se réapproprier le cœur du village, l'espace public du village. Une séance photographique pour, où on réunit tous les habitants du village, à qui on propose voilà, de faire le portrait de famille du village. Questo qui è un altro progetto che abbiamo realizzato in un piccolo villaggio che si trova in una regione tra Bordeaux e Nantes, e il problema era sempre lo stesso, cioè quello di far sì che le persone potessero iniziare a porsi la domanda di come rinnovare, di come ripristinare insomma il proprio centro, il proprio borgo, e quindi c'era stato chiesto appunto di occuparci di tutto ciò, ed abbiamo organizzato una sorta di sessione fotografica, quindi creare una foto di famiglia che coinvolgesse tutti gli abitanti del quartiere, proprio per coinvolgerli e per creare questa forma di aggregazione. C'est comme un tournage de cinéma. Ça prend quasiment 2 heures, 3 heures. On est sur une nacelle électrique pour prendre les photos. Et le temps qu'on explique aux gens tout ce qui se passe, c'est aussi un temps qui nous permet de raconter qui on est et ce qu'on vient faire.
La photo n'est qu'un prétexte, encore une fois, pour réunir les gens, créer de la convivialité et leur donner envie de réfléchir et de revenir sur les moments d'atelier, de réflexion collective. Siccome per fare questa foto e quindi riuscire a prendere tutte le persone ci voleva tantissimo, ci voleva un po' di tempo, circa 2 ore, abbiamo sfruttato questo tempo a nostra disposizione per parlare con loro, per raccontare chi eravamo e in questo modo anche per riflettere insieme su quelle che erano le loro idee del quartiere e i loro desideri. Autour de ce village, il y a ça, comme un tronçon d'autoroute qui contourne le village. Avant, il y avait au milieu de la rue ici des camions qui passaient tous les jours, tout le temps. Ce qui fait qu'il y avait une sorte de traumatisme de l'espace public. Les gens ne sortaient jamais de chez eux, rasaient les murs. Et l'idée de la photo, c'était aussi symboliquement de reconquérir l'espace public et de se mettre dessus et de marquer son empreinte. Tutto intorno al villaggio c'è quella strada, che è questa qui, e anche lì al centro dove abbiamo fatto la foto passavano di continuo dei camion, quindi le persone erano in un certo senso traumatizzate, non uscivano da casa, camminavano sempre sul marciapiede accanto al muro, quindi questa foto è stata un'occasione anche per far comprendere alle persone che dovevano riconquistare il proprio territorio. Et une autre question qui nous était posée par la commune, c'était de réfléchir à un événement culturel qui permettrait de faire connaître la commune, ce petit village, dans la région autour. Et ce qu'on leur a proposé, qui n'a pas été fait, mais ce qu'on leur a proposé, c'était de créer un festival qu'on a appelé le Festival de la Déviation. Donc la déviation, c'est cette route, où une fois par an, on leur proposait de switcher, c'est-à-dire le village part habiter dans la déviation et on rétablit le trafic par le village. Et ça donnait ce type de possibilité. Donc c'était des installations éphémères, c'est un festival qui dure 2 jours, 3 jours, on ne sait pas, où tout le village vient habiter sur l'autoroute et les camions, les voitures passent à nouveau par le village. Permute. Il comune ci aveva anche chiesto di far qualcosa per far sì che ci fosse maggiore, che le persone della regione conoscessero di più il paese, il comune. E quindi noi abbiamo fatto una proposta che poi non è stata realizzata, quella di fare il cosiddetto Festival de la Déviation, cioè una volta l'anno veniva fatto uno switch, cioè l'autostrada diventava il villaggio, quindi tutte le persone si trasferivano al posto dell'autostrada e i camion ritornavano invece a passare lungo il villaggio, la strada del villaggio. Là on est sur notre projet, on est à Nantes, et là l'idée c'est de réfléchir avec les habitants sur un peu le devenir du quartier, dans une réflexion très ouverte. On travaille sur un principe qu'on appelle les ateliers d'urbanisme utopique, où l'idée c'est de proposer une forme de prospective large sur ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer, transformer un territoire, un quartier, mais sans restreindre au départ le champ de réflexion et en faisant le pari que même dans les idées les plus folles, on peut trouver des pistes intéressantes qui peuvent ensuite se traduire en aménagement concret. Mais c'est un autre. Questo qui è un altro progetto e che segue il principio del cosiddetto laboratorio di urbanistica utopica, cioè si volevano proporre delle prospettive utopistiche
e quindi proporre una trasformazione del quartiere differente, per far capire che anche dalle idee più folli, più creative, in realtà può venire fuori qualcosa di possibile, di concreto. La démarche, l'enjeu, il est aussi bien de faire du projet que de créer aussi une action collective, culturelle et citoyenne dans laquelle les habitants reconquièrent une capacité d'action sur leur propre territoire. Quindi si voleva creare un'azione collettiva in cui le persone riconquistino appunto la loro capacità di intervenire sul proprio territorio. Par exemple ici, donc c'est à Nantes, on a proposé de construire un restaurant éphémère. Donc la salle de restaurant est donc au pied d'un immeuble, greffée à l'immeuble, et les cuisines sont en haut, dans des appartements qui ont été vidés, qui sont plus habités. Et ce que vous voyez ici, c'est un passe-plat. C'est-à-dire que les cuisines sont en haut, les plats sont mis dans le passe-plat avec un mont de charge, et ils descendent, et en bas, on récupère le plat. Les gens qui font la cuisine à manger, ce sont des habitants. On a fait un appel à proposition pour des habitants, auprès des habitants, pour qu'ils puissent venir sur un repas, ou deux ou trois, enfin, ce qu'ils veulent, pour venir faire à manger aux gens. Voilà. Quindi è stato creato questo ristorante ai piedi del palazzo. Le cucine erano in alto, in alcuni appartamenti non abitati, e vi era un sistema di collegamento tra questi appartamenti e il ristorante, quindi i piatti venivano trasferiti verso il ristorante, e è stata fatta un appello, diciamo, è stata fatta un'offerta agli abitanti del quartiere, quindi erano proprio gli abitanti del quartiere a cucinare per questo ristorante, quindi sono delle persone che si sono prestati volontari a cucinare per gli altri. On a eu environ 30 volontaires, cuisiniers volontaires, chefs volontaires. Parmi les 30, on avait ces deux personnes qui sont revenus plusieurs fois et qui avaient depuis longtemps, qui étaient au chômage, et qui avaient depuis longtemps l'idée de créer un petit restaurant et de vivre, de créer un projet professionnel autour de ça. Le fait d'avoir participé à cette expérience, ça leur a donné la confiance et ça a déclenché chez eux l'envie de se lancer dans leur propre business. Et aujourd'hui, donc, elles ont créé un restaurant qui fonctionne. Donc, c'est aussi les effets induits qu'on ne peut pas prévoir à l'avance de ce type de projet. E come abbiamo detto, quindi ci sono delle persone che hanno deciso di partecipare come volontari per cucinare in questo ristorante, e abbiamo avuto 30 volontari, tra cui quelle due signore che erano disoccupate, però avevano questo desiderio di aprire un ristorante. Quindi diciamo che questo progetto ha innescato in loro questo desiderio ancora più forte di seguire quello che era il proprio sogno, e infatti ora sono riuscita ad aprire il ristorante. Quindi questi progetti servono anche a questo, a far capire alle persone che in realtà devono lanciarsi in quello che vogliono fare. Donc là, de ce projet-là, il y a eu, enfin de cette expérience, on en a déduit plusieurs possibilités d'action sur le quartier, de transformation de certains espaces. Et comme je le disais tout à l'heure, on est sur un principe de réflexion ouverte, utopique. Je vous montre cette image parce que là, c'est un travail qu'on a fait avec une personne en particulier dont le rêve était d'utiliser les toits de son quartier. Et on lui a proposé de faire tout un circuit, toute une promenade sur les toits avec un hammam, parce qu'il voulait absolument qu'il y ait un hammam sur les toits. Et voilà, donc c'est des projets qui n'ont pas forcément vocation à être construits, mais qui permettent, voilà, de stimuler l'imaginaire et de regarder aussi différemment son lieu de vie quotidien.
Quindi questi progetti hanno utopistici, diciamo, hanno dato la possibilità alle persone di esprimere la propria immaginazione, la propria creatività. Questo, ad esempio, era il progetto presentato da una persona che voleva creare questa sorta di passeggiata lungo i tetti del quartiere. Quindi un progetto che non è stato realizzato, però grazie a questo siamo riusciti a stimolare l'immaginazione e la creatività degli abitanti del quartiere. Il y a toujours dans notre travail une étape de restitution publique, montrer aux autres tout le travail qui est fait. Donc là, on a dans le restaurant, on a une exposition à la fin du projet qui présente l'ensemble des propositions qui ont été imaginées et travaillées avec les habitants. E qui nel ristorante abbiamo poi messo in esposizione tutte quelle che erano state le proposte presentate dai vari abitanti del quartiere. Voilà, et ensuite, là par exemple, on travaille parfois avec. On fait comme des faux panneaux de chantier qu'on détourne, où on montre les propositions des habitants et on va directement les afficher dans la ville sur les lieux où on a travaillé. Abbiamo creato questa sorta di pannelli che venivano poi portati nel luogo dove si voleva realizzare il progetto o appunto dove abbiamo lavorato. Là on est sur un autre projet à Paris où la question est toujours un peu identique, hein, c'est comment on amène les gens à réfléchir ensemble à l'amélioration de leur cadre de vie, de leur quartier. Donc encore une fois sur une analyse assez ouverte en amont des premières études urbaines qui sont faites ensuite par les professionnels. L'objectif pour nous, c'est de constituer une matière, un matériau qui rassemble des points de vue, des propositions, des idées, des suggestions, des envies, etc., des besoins qu'on organise dans un document et ensuite qu'on donne aux architectes, aux urbanistes qui font leurs études. Donc là, on... Questo è un altro progetto che abbiamo fatto a Parigi, l'idea è sempre la stessa, cioè quella di riflettere insieme su come migliorare un quartiere, una parte della città e l'obiettivo è quello di mettere insieme materiale fatto di idee, di suggerimenti, di bisogni, di desideri e trasferire tutto questo materiale proveniente dagli abitanti agli architetti e agli urbanisti che poi si occuperanno della realizzazione dei progetti. Dans ces démarches-là, ce qu'on fait systématiquement quand on va travailler sur un nouveau contexte, on essaie de rencontrer tous les gens qui agissent dans ce contexte-là et qui ont un rapport quotidien aux habitants. Donc ça peut être les écoles, ça peut être les centres sociaux, des associations d'habitants évidemment. Tous ceux qui, voilà, qui ont un contact avec les habitants, on les réunit et on essaie de discuter avec eux pour essayer de concevoir la méthode la plus contextuelle, la plus adaptée pour intervenir. Et sur cet exemple-là, les gens nous ont dit, en fait, ici, il faut aller partout dans le quartier. Il ne faut pas juste se mettre à un endroit, il faut aller partout. Donc, on a imaginé un dispositif nomade. Et pendant plusieurs jours, on s'est promené donc avec ces petites charrettes. On s'est promené dans différents endroits du quartier. Pour parler avec les gens, oui. Il nostro, come abbiamo lavorato, abbiamo incontrato e parlato con quelle che erano le persone e i centri che erano più a contatto con le persone, quindi siamo andati presso le scuole, presso i centri sociali e proprio per capire quale potesse essere il modo migliore per intervenire sul territorio adattandolo appunto a quello che era il contesto nel quale stavamo per lavorare, quindi abbiamo creato questi piccoli carretti e ci spostavamo lungo tutta la città proprio per andare ad incontrare le persone. Donc on s'est promené avec ces charrettes. Alors on les a conçues pour qu'elles puissent ensuite être utilisées et utilisables pour les associations. C'est-à-dire qu'on les a laissées dans le quartier
Et maintenant, les associations les utilisent pour leurs propres activités. Donc, elles ont été conçues pour être utiles pour nous, mais aussi utiles pour eux après. E questi carri, insomma, sono stati creati per essere lasciati nel quartiere, quindi per essere utilizzati dalle associazioni di cittadini e dei vari centri, e quindi sono stati ideati per essere utili a noi, per spostarci lungo tutta la città, ma anche utili ai cittadini che li hanno poi utilizzati, appunto. Donc voilà quelques images. Cette personne-là, c'est l'urbaniste qui travaille, qui est censé travailler après nous pour faire le projet. À qui on propose de venir avec nous pour commencer à réfléchir et à travailler. Et en fait, comme sur l'exemple à Dax, pendant les jours d'atelier où elle est présente avec nous, en fait, dans sa tête, tout le projet va se mettre en place. En direct, avec tout ce qu'elle entend et toutes les discussions qu'elle a avec les habitants. Questa signora che vedete in foto è l'urbanista alla quale era stato assegnato il progetto, che è venuta con noi in giro per la città e quindi in questo modo è riuscita a capire, ad ascoltare, insomma, tutte quelle che erano le proposte, i suggerimenti. Alors c'est très déstabilisant pour les architectes et les urbanistes parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être sur le terrain avec les gens pour discuter directement avec eux. Certains acceptent de jouer le jeu. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui considèrent que leur travail consiste à regarder de loin et à travailler dans leur agence, dans leur cadre, on va dire, confortable, sécurisant, et qui ont beaucoup de craintes à se confronter directement aux habitants. C'est des choses qui évoluent, mais voilà, c'est encore compliqué. E purtroppo sono ancora poche le persone, gli urbanisti, che accettano di lavorare sul campo e quindi in contatto con le persone. La maggior parte di loro tendono ancora a guardare tutto da fuori, da lontano nel loro ufficio, e hanno quasi paura, diciamo, ad entrare proprio in stretto contatto con la realtà locale. Quindi è un qualcosa che ancora non è completamente cambiato. Voilà, donc vous le voyez avec les photos, ces modules sur roulette permettent de faire différentes choses, des petits ateliers comme ça avec les enfants, de la cuisine, de la détente. Voilà, l'idée c'était de concevoir un dispositif avec des fonctions assez souples pour que toutes les associations du quartier puissent les utiliser simplement, le plus simplement possible. E queste installazioni sono state utilizzate dagli abitanti del quartiere per vari scopi, e proprio perché l'obiettivo era quello di creare un qualcosa di flessibile che potesse adattarsi alle esigenze, ai desideri degli abitanti del quartiere. Là on est toujours à Paris. Là, on nous propose de venir aménager cet espace qui ne sert à rien, qui est juste un espace vert. Il n'y a pas d'idée au départ de qu'est-ce qu'on va y faire. Donc l'objectif, c'est de rencontrer les gens autour pour leur proposer de définir la fonction, ce qu'ils ont envie de faire sur ce lieu. Avec l'objectif d'en faire un lieu semi-fermé, c'est-à-dire c'est pas un espace public ouvert jour et nuit, c'est un espace clôturé avec un règlement et des heures d'ouverture et de fermeture, et géré par une association. Donc ce qu'on nous demande, c'est de faire un projet, de trouver l'usage de ce terrain, faire un projet et de créer l'association qui va le gérer. Qui siamo sempre a Parigi, ci era stato chiesto di gestire questo spazio, uno spazio verde che non ha molta utilità,
l'obiettivo era sempre quello di incontrare le persone per capire cosa volessero fare di questo spazio verde e abbiamo cercato di creare uno spazio semichiuso, diciamo, un luogo che seguisse determinate regole e determinati orari di apertura e di chiusura gestito da un'associazione. Quindi c'era stato affidato il compito sia di sistemare questo spazio che di creare l'associazione che dovesse poi occuparsene. Donc ça nous prend un an pour mobiliser des gens volontaires pour réfléchir à l'aménagement de ce jardin, un an pour aboutir à un projet qui est de faire une sorte de potager, d'espace potager collectif, géré collectivement, et un an aussi pour toujours pour créer l'association et trouver des gens motivés, volontaires, pour devenir président, trésorier, secrétaire, comme pour toutes les associations. Ce qui est quand même très compliqué et pas évident. Et en un an, c'est presque un miracle d'être parvenu a fare ça. Ci è voluto un anno per riuscire a mobilitare tutte le persone a partecipare a questo progetto, quindi un anno per creare questo giardino e un anno per riuscire a creare l'associazione, quindi a trovare persone volontarie che potessero svolgere i vari ruoli, le varie funzioni all'interno dell'associazione. Donc aujourd'hui, alors le chantier s'est fait collectivement avec les habitants, on a construit tout ça. Aujourd'hui, c'est un lieu qui fonctionne, c'est un petit oasis au milieu de la ville qui fonctionne très très bien. Les habitants se sont complètement appropriés, emparés de cet espace et de ce lieu. Et donc ils le font vivre à travers du jardinage au quotidien, des ateliers, des événements culturels qu'ils organisent. Voilà, ça, c'est devenu un véritable outil d'animation du quartier, directement géré par les habitants, sans travailleurs professionnels. Questo spazio quindi è stato completamente rifatto, completamente risistemato e tutti gli abitanti del quartiere hanno partecipato e si sono appropriati completamente dello spazio dove oggi vengono organizzati laboratori, eventi culturali e sono organizzate delle attività di giardinaggio, quindi una riappropriazione completa, gestita soltanto dalle persone senza l'intervento di esperti, di tecnici. Voilà, donc c'est une belle réussite qui malheureusement va disparaître parce que le grand architecte Chemetov a décidé de faire passer une route par cet endroit-là, et là on essaie de se battre avec l'association pour trouver un autre lieu, mais c'est pas gagné. E purtroppo questo spazio scomparirà breve perché si è deciso di costruire una grande strada in questo spazio e quindi ci siamo battuti, però stiamo cercando di trovare un altro luogo dove ricreare una cosa simile. Voilà. Quelques images. Si, si. Il est quelle heure? Il est 11h. On fait une pause ou pas? Pas maintenant? Facciamo una pausa oppure no? Non, après. On enchaîne. On a déjà pris un peu de retard. Avevo già preso un po' di ritardo, quindi sono a pause. Ok. Donc là, je vais vous montrer un projet assez important qu'on développe à Bordeaux depuis 3 ans et qui consiste à venir librement, enfin de notre part, agir sur un quartier auprès des habitants sans que la ville nous le demande. C'est pas une commande. C'est notre propre initiative. Donc ça fait aussi partie des projets qu'on développe. On répond souvent à des commandes et parfois on crée aussi parce qu'on a des envies, parce qu'on a des idées, parce qu'on a des projets qu'on a envie de développer.
on n'attend pas d'avoir une commande et on va nous-mêmes décider de travailler sur un contexte où on a envie de travailler. Ora vi faccio vedere un altro progetto, sempre realizzato a Bordeaux, che stiamo realizzando da 3 anni a Bordeaux e che è partito da una nostra iniziativa, quindi non su commissione da parte del Comune, perché noi lavoriamo non soltanto dietro commissione del Comune, ma anche per nostra iniziativa, perché abbiamo delle idee e le vogliamo sviluppare e mettere in pratica. Alors pour financer ces projets, évidemment, on va chercher des subventions, des financements publics. Donc ça prend beaucoup de temps, il faut écrire les projets à l'avance, il faut attendre 6 mois pour avoir les réponses pour les financements. Mais on continue de le faire, c'est compliqué, mais on continue de le faire parce que c'est pour nous des terrains de liberté dans notre travail et où on peut vraiment expérimenter des choses. Ovviamente per fare questo tipo di progetti che non sono stati commissionati abbiamo bisogno di finanziamenti e quindi ci vuole tantissimo tempo per scrivere il progetto, per ottenere poi questi finanziamenti, passano più di 6 mesi ogni volta, però per noi è importante perché in questo modo possiamo effettivamente esprimere quelle che sono le nostre idee, quindi possiamo agire in tutta libertà. On commence notre travail sur ce territoire par rencontrer tout le monde, les écoles, enfin tous les gens qui travaillent sur le quartier pour leur dire voilà, nous, on vous propose de venir coopérer à un projet qu'on va développer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, sur votre quartier, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, on commence par leur proposer de poser sur cette photo. Donc ici, vous avez uniquement les professionnels qui travaillent sur le quartier. Donc jardiniers, animateurs, enseignants, etc. etc. On fait une carte postale qu'on envoie à tous les habitants du quartier pour les inviter à ce qui va se passer par la suite. E per iniziare questo progetto incontriamo tutte le persone che sono coinvolte nel quartiere, quindi le scuole, i professionisti, i centri sociali, per parlare con loro, per spiegare loro il progetto e di solito facciamo questa sorta, questa foto e le persone che sono in questa foto sono soltanto, non sono tutti i cittadini, gli abitanti del quartiere, ma sono coloro che lavorano nel quartiere, quindi insegnanti, persone che lavorano nei centri sociali e questa foto viene utilizzata come una sorta di cartolina che viene poi inviata a tutti gli abitanti per coinvolgerli appunto a partecipare a questo progetto. La question, donc on travaille avec l'ensemble de ces personnes, on leur pose la question qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, imaginer ensemble pour réunir les gens du quartier et leur proposer de réfléchir voilà, à ce qu'on pourrait transformer, améliorer ici. Tous ils nous disent il faut faire un endroit pour manger et pour boire, un restaurant. Donc, évidemment, c'est des choses qui sont que vous connaissez certainement aussi. Hein, la meilleure manière de réunir les gens, c'est de créer un cadre convivial. Et la convivialité, elle passe souvent par partager un repas, partager un moment d'apéro, d'apéritif, par exemple. Donc là, on décide de créer, encore une fois, un restaurant éphémère à l'air libre. Abbiamo quindi chiesto a queste persone che cosa bisognava fare per riuscire a coinvolgere tutti gli abitanti a partecipare. Ovviamente la risposta da parte di tutti è stata quella di aprire un bar, un ristorante, perché ovviamente sono i luoghi in cui si crea convivialità che riescono ad attirare la maggior parte delle persone. E quindi abbiamo fatto proprio questo, abbiamo creato questo ristorante. Donc encore une fois, c'est des habitants du quartier qui se proposent pour venir faire la cuisine. Donc nous on est là pour les aider, on est là pour aller faire les courses, acheter tout ce qu'il faut, faire le service. Et en fait, le service c'est le moment où on va rencontrer les gens, c'est le premier contact. Bonjour, bienvenue au restaurant Le Bras Zéro.
Et c'est déjà c'est un premier moment où on engage la conversation avec eux. Vous habitez le quartier, vous avez connu comment, etc. On commence à leur poser les premières questions et on leur explique où ils sont et à quoi ça sert ce dispositif. E ancora una volta sono le persone del posto che si occupano della cucina, quindi preparano i pasti, mentre noi li aiutiamo a fare la spesa, a servire i tavoli. È proprio il momento del servire i tavoli che è il momento in cui riusciamo ad entrare in contatto con le persone, perché iniziamo a presentarci, a fare domande, quindi a capire da loro come vorrebbero, cosa ne pensano di quello spazio e come vorrebbero utilizzarlo. Et donc pour ceux qui ne veulent pas nous parler, parce qu'il y en a qui ont le droit de ne pas vouloir parler, on leur propose de noter leurs idées, leurs envies, ce qu'ils veulent, sur les sets de table. Donc vous avez vu là, il y a les sets de table. Donc on récupère aussi ces éléments-là qui... voilà. Visto che ci sono anche delle persone che non hanno tanta voglia di parlare o comunque sono timidi, abbiamo lasciato queste... come si chiamano? Tovagliette, sì, e dove appunto le persone possono scrivere quello che pensano e quindi quando vanno via le raccogliamo tutte e le leggiamo. Donc là c'est un lieu aussi qu'on utilise pour faire nos actions à nous, mais qu'on va laisser dans le quartier pendant un an et qui va être utilisé par les associations du quartier qui viennent déplacer leurs activités qu'ils ont l'habitude de faire dans leurs propres espaces, ils viennent les faire ici. Voilà. Donc ça crée au cœur du quartier un lieu où il se passe plein de choses partagées par plein de gens du quartier, enfin plein d'associations et de structures du quartier. E abbiamo lasciato questo spazio alle persone che possono utilizzarlo liberamente, anche le associazioni del quartiere, invece che incontrarsi nelle proprie strutture possono venire qui e incontrarsi e utilizzare lo spazio. Per esempio, ici c'est un cours de gymnastique douce pour les personnes âgées. Questo ad esempio è un corso di ginnastica dolce per gli anziani. Donc là, on a quelques exemples de moments d'atelier, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir donner la possibilité aux gens de réfléchir et de discuter de manière ouverte, libre et collective sur leur quartier, en disant ce qu'ils trouvent d'intéressant, de moins intéressant dans le quartier, ce qui manque, ce qu'ils auraient envie de trouver, etc. E ci sono ovviamente anche momenti di discussione in cui le persone si scambiano idee, punti di vista su cosa vorrebbero nel quartiere, cosa vorrebbero realizzare, eccetera. Voilà, donc nous on collecte tout ça, on le synthétise sous forme de texte, sous forme de cartographie aussi, comme ici. On leur présente, on leur demande qu'ils nous valident ce qu'on a écrit, parce que parfois on peut aussi mal comprendre ou interpréter certaines choses. Voilà. Et ensuite, on fait aussi un travail parfois d'illustration de certaines idées. Noi quindi raccogliamo tutti questi suggerimenti, tutti questi punti di vista, li prepariamo e poi li ripresentiamo nuovamente alle persone per avere la loro approvazione, la loro convalida, perché spesso potremmo anche non interpretare bene quelle che sono le loro idee e facciamo anche delle rappresentazioni grafiche dei progetti, delle idee. Voilà. Donc, on appelle ça, je parlais d'atelier d'urbanisme utopique, on voit ici que voilà, on est sur un terrain vague qui est dans le quartier où les gens depuis très très longtemps projettent tout un tas de fantasmes et la manière dont on a illustré ça, c'est en faisant une sorte de chimère, une sorte de projet improbable qui combine un peu toutes les idées des gens. Abbiamo parlato dell'utopia, quindi di questi progetti basati sull'utopia, quindi in questo modo mettiamo insieme tutti questi progetti utopistici e creativi, creiamo voilà. Questa sorta di chimera. E parmi tous les projets qu'on a imaginé avec les habitants, il y en a un très important pour les gens qui consistait à utiliser les toits du quartier. En fait, on est sur un quartier qui a des immeubles
ils ont tous les toits qui étaient avant accessibles et qui servaient pour étendre le linge, faire sécher le linge, et qui ont été fermés pour des raisons de sécurité. Et les habitants nous disaient, ces toits ont joué un rôle très important dans le quartier parce que c'était des lieux où on allait pour les premiers rendez-vous amoureux, pour regarder les feux d'artifice de la ville, pour prendre des apéros, faire des repas, etc. Et donc beaucoup de gens nous parlaient de ça avec nostalgie et nous disaient, ça serait bien de trouver une manière de réouvrir ces toits et d'imaginer une fonction, un usage. Molte dei progetti riguardavano il riutilizzo dei tetti, perché tutti i palazzi hanno questi terrazzi, diciamo, ampi, che prima venivano utilizzati per stendere i panni, e però ora sono stati chiusi per non più, quindi l'accesso non è più permesso per motivi di sicurezza. Quindi l'obiettivo, le persone guardavano sempre a questa parte delle abitazioni come con nostalgia, perché dicevano è una parte importante, un posto importante in cui sono nati tanti amori, ci si incontrava anche per bere, per fare un aperitivo, erano dei momenti, erano dei posti in cui si riusciva a stare insieme, e quindi l'obiettivo era appunto riutilizzare questi spazi non più utilizzati. Et une des idées imaginées par les habitants, c'était de transformer un toit en espace de bien-être pour le corps, avec du massage, de la coiffure et aussi un hammam. Et quindi l'idea degli abitanti era quella di trasformare i tetti in un luogo del benessere, e quindi un hammam, una sauna, un salone di parrucchiere. Et on a proposé aux gens de le faire. De le fabriquer. E quindi abbiamo proposto alle persone di creare questo spazio. Voilà, comme je l'expliquais, on est dans un projet où on décide nous-mêmes ce qu'on veut faire avec les gens. On n'a pas de commande, de commanditaire. Alors c'est un pari un peu fou parce que réouvrir des toits qui ont été fermés depuis 20 ans, 15 ans, trouver toutes les autorisations, la complexité d'aller à 35 mètres au-dessus du sol. En termes de sécurité, voilà, on a passé quasiment 6 mois à trouver des solutions à tous les problèmes. Ovviamente questo ha comportato tutta una serie di problemi, perché comunque si trattava di spazi chiusi da più di 15-20 anni, quindi ci è voluto tantissimo per riuscire a riutilizzarli, le questioni di sicurezza erano tantissime, quindi sono passati più di 6 mesi prima che potessimo iniziare effettivamente a lavorare. Allora, il y a quelques photos avant, je fais une parenthèse, on a travaillé avec une artiste photographe qui s'appelle Christine Timan. Qui, en parallèle de tout le travail qu'on a fait avec les habitants, a fait un travail artistique, photographique, où elle a composé, vous allez le voir, des mises en scène à partir des récits qu'elle entendait des habitants. Abbiamo lavorato con una fotografa, Christine Timan, che parallelamente allo svolgimento dei lavori sul tetto ha creato questa sorta di racconto fotografico con le persone. Donc je vous montre quelques-unes de ces images, qui est en fait un travail parallèle et connecté au nôtre. En fait, on se nourrit mutuellement. Nous, dans les ateliers, quand les gens discutent, elle est là, elle entend et elle puise ses idées pour faire ses mises en scène. Et pendant les castings, parce que du coup, c'est des gens qui participent par des castings. Le momento del casting, le gens parlano del loro quartier, c'è anche un endroit où nous on écoute ce que les gens racontent. Quindi è stato tutto un lavoro parallelo. Durante i casting, quando le persone parlano, noi ascoltiamo, e quindi anche per lei questo è stato un modo per riuscire a ideare queste sue rappresentazioni. Donc là, c'est l'exposition finale de ce projet-là. Qui est fait à la maison de l'architecture à Bordeaux. Questa è l'esposizione finale del progetto, che è esposta alla casa d'architettura a Bordeaux. Voilà, c'est important aussi que ce travail sorte du quartier pour aller dans des lieux plus officiels, plus institutionnels, et c'est aussi une manière de donner une véritable valeur
et un véritable statut à ce travail exploratoire, à ce travail un peu expérimental, dans un lieu où habituellement on expose plutôt des projets d'architecture et d'urbanisme, on va dire, assez classiques. Perché è importante che questo tipo di lavoro possa uscire dal semplice quartiere e quindi andare in posti più ufficiali, dove di solito vengono esposti soltanto progetti di architettura di un certo livello. Quindi è importante mostrare anche questo lavoro di esplorazione.